Ami Rider, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose donc un comparatif entre les Death Ray de chez Ray Truck et les Caliber Precision. J'ai eu l'occasion de tester les Caliber pendant une semaine et les Death Ray, je les ai depuis le mois de septembre. Death Ray que j'ai roulé au mois de septembre au Wallonie, donc j'ai pu tester un peu de la haute vitesse. C'est un truck qui est vraiment très stable, avec lequel on peut envoyer des très gros shreds et pas avoir peur de chousser. Le Caliber Truck, je dois le dire, par sa finition quand même magnifique, il est livré donc dans un très beau coffret. Au niveau du ride, j'ai eu l'occasion de faire Dampierre avec le week-end dernier. C'est un truck qui s'est révélé quand même assez serein dans le ride, avec lequel j'ai quand même pu envoyer de gros shreds sur ce spot où je roule actuellement, donc les Caliber. J'ai eu néanmoins quelques difficultés sur ce spot étroit et sinueux, de par la petite largeur qu'il y a en plus sur les Caliber qui font 184 mm et les Ray Truck 180. 400 € pour les Caliber et 200 € pour des Ray Truck. Il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre ces deux trucks, si ce n'est le packaging et peut-être la finition chez Caliber. Chez Ray Truck, vraiment un super bon truck de DH et Freeride, donc un truck de précision, je le rappelle, pour un coût qui effectivement n'excède pas les 200 €. Si vous avez 400 € à mettre dans des trucks de précision, vous avez les Caliber qui sont là. Si jamais votre budget n'est pas aussi conséquent, vous avez toujours la possibilité de prendre les Death Ray, qui est maintenant une valeur sûre en termes de trucks de précision.